journée qui a pleinement redoublé l'effort du maréchal Idriss Déby Itno de le vite décombattre les Boko Haram et faire disparaître leur image au sein du Sahel. C'est dans ce but que le maréchal Idriss Déby, le président tchadien, le leader président en Afrique de l'Ouest, a décidé de quitter le palais présidentiel au champ des batailles. Une première fois dans l'histoire en Afrique, le président décide de combattre personnellement parmi ses géants soldats, porte sa tenue pour la patrie et pour la vengeance de ses 90 soldats tombés sur les champs de bataille à Boma. Le maréchal Idriss Déby Itno, actuellement au champ de bataille. Au leader général du peuple tchadien, le général Mohamed Ismaël Chebo, le général Kitizen, le général Kony Alafouz, général Hamad Kokari, le général Idriss Boy, et sans oublier l'unique et parfait président de l'Assemblée nationale, Haroun Koubadi. Nous saluons Madame la Première Dame, Hinda Déby Itno, et de son nom Madame la Première Dame, l'encouragement sincère de toutes les femmes tchadiennes à l'égard de vous, Monsieur le Président. Vous avez le soutien de toute la jeunesse tchadienne. Qu'Allah vous protège et vous guide dans toutes vos œuvres. Nous saluons aussi Madame Mariam Mohamed Nour. Et au nom de l'artiste nigérien Bibi Mohamed et de toute la jeunesse nigérienne, nous disons soutien 100% au maréchal Idriss Déby Itno. Et que la paix règne au sein de Tchad, dans l'Afrique en entier et dans le monde en général. Vive le président maréchal Idriss Déby Itno. Vive l'armée tchadienne et vive l'Afrique. Shukran, shukran, apa yang ini? Salam jana nasana jamena, kulani salam.